Vous aimez les bandes de boue, maître? Les bains de boue. Qu'est-ce qu'elle aura encore été vous raconter comme connerie? Écoutez, vous aviez qu'à venir, hein? Vous auriez pu entendre chaque mot qu'elle a prononcé et vous avez refusé. Je voudrais savoir ce que vous voulez, mon petit vieux. Vous le savez, vous, ce que vous voulez? Oui. Bien. En attendant, si on revenait à cette soirée du 3. On a déjà tout dit, non? Ah non. Non, c'est justement pourquoi je vous demande si vous aimez les bandes de boue. La petite Geneviève, c'est bien dans le fossé que vous l'avez trouvée, non? Quel temps faisait-il ce soir-là? Ah, la météo maintenant. Il me semble que durant la journée, il y avait eu un gros orage, vous vous rappelez? Ça devait être dégoûtant, ce fossé. Je ne comprends pas très bien. Et vous atterrissez là-dedans. Bah évidemment, j'avais aperçu le corps. Ah! Mais comment avez-vous fait pour l'apercevoir, Martineau? Vous étiez sur des échasses? Non, pas ce jour-là. On ne peut rien voir depuis le terrain communal. Absolument rien. Il y a des ronces et des orties hautes comme ça. Alors là, je ne vous suis pas là. Mais si, vous me suivez. On a trouvé une feuille morte collée aux semelles de la petite levaille. Et les feuilles mortes, ça tombe des arbres. Or, sur le terrain communal du Jougo, il y a un arbre. Il est mort. Donc la gosse venait du petit bois. Et vous? Quoi, moi? Bah, vous veniez de Jobourg ou du petit bois? J'en sais rien. Oui, mais alors, maintenant, faudrait quand même vous décider savoir, Martineau. Les feuilles mortes, le petit bois, Jobourg, ça devient complètement surréaliste. Ah, il y a autre chose qui est beaucoup plus surréaliste que ça. C'est Maître Martineau rentrant chez lui, coude au corps. Pardon? Vous êtes rentré chez vous en courant. Pourquoi? Parce que j'avais trouvé le corps. Pourquoi rentrer chez vous? Ben, pour téléphoner. Il y a deux cabines communales sur le terrain de Jobourg. Donc je vous demande pourquoi rentrer chez vous? J'en sais rien, moi. J'étais sous le choc, voilà. Vous rentrez chez vous, le téléphone est en bas et vous montez au premier. Pourquoi? Je suis allé dans la salle de bain. Vous êtes lavé. J'avais envie de dégueuler. Arrêtez de tourner autour du pot. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'est-ce que vous voulez savoir de net et de précis? Maintenant! Eh bien, ce que vous faisiez dans le petit bois. Ce que vous faisiez dans le petit bois et ce que vous faisiez à Saint-Clément, voilà! À Saint-Clément, comme j'ai eu l'honneur de vous le dire, j'étais avec une putain. Alors, le nom de la fille, Martineau, le nom de l'hôtel et l'adresse. Il n'y avait pas d'hôtel, c'est juste une pute qui draguait en voiture. Une Amazone, comme on les appelle. Lamentable. Quoi donc? Votre argument, lamentable. C'est pas un argument, c'est un alibi.